Donc bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc la semaine a été super super mouvementée et on va en parler dans quelques secondes. Mais avant ça, je voulais vous parler de la chaîne d'un de mes abonnés, CoinHash, qui en fait a réalisé aussi une chaîne sur les cryptos. Et en fait, il m'a contacté pour voir si on pouvait s'aider mutuellement. Et en fait, là où je suis super content, c'est que lui, il a fait des vidéos sur le mining de Chia. Et le mining de Chia, vous êtes beaucoup à me l'avoir réclamé sur le Discord. Et c'est quelque chose que j'avais pas forcément envie de faire. Et donc, je pense que c'est une très bonne idée. On a des chaînes qui sont vraiment complémentaires pour le coup. Donc, ses vidéos sont super pro. Il n'y a rien à redire. Le seul truc que j'ai à lui dire, mais ça il le sait déjà, hein, je lui ai mis dans ses commentaires, c'est qu'il faut absolument qu'il me finisse son rig, parce que son rig, il n'est pas très joli pour l'instant. Et bah, il est comme moi, je pense, on pousse toujours à plus tard, et ça avance pas forcément. Voilà, donc bah, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, et puis à regarder ses vidéos, elles sont vraiment intéressantes. Donc c'est pour ça que je vous les conseille. Alors, le Chia Mining, je vous l'ai déjà dit, moi je suis pas emballé. Il y a cet Estrada, un YouTuber américain, qui vient de faire une vidéo sur et il résume bien en fait la situation. C'est une situation où la difficulté du réseau, donc il y a énormément de gens qui rajoutent des terras et des terras, qui les mettent à ploter. Et le problème, c'est qu'en fait, quand on se lance dans le Chia, le temps qu'on commence à ploter sur ces disques, en fait, bah, la difficulté a augmenté énormément. Donc, en fait, les projections qu'on fait à un moment, elles sont déjà plus bonnes. Mais bon, c'est la même problématique qu'on a avec les cartes graphiques et avec le mining d'Ethereum. Donc, l'un dans l'autre, c'est à vous de vous faire une opinion. N'hésitez pas de façon à regarder donc les vidéos de CoinHash pour savoir comment miner du Chia et à vous faire un esprit critique. Parce qu'on l'a bien vu là. Cette semaine, ça a été particulièrement brutal et ça continue. Encore une fois, on en revient à ce que j'ai dit dans des précédentes vidéos. Moi, la plus grande peur que j'ai, c'est ce que les décisions du régulateur, des régulateurs. Les régulateurs peuvent faire la pluie et le beau temps sur les cryptos et là, en ce moment, ils sont vraiment en train de faire la pluie. Mais encore une fois, quand je vois l'Ethereum qui est encore à 2 200 $, on vient, pas si longtemps que ça, on était dans les 200 euros. Donc on est quand même sur des progressions qui sont énormes. C'est pareil pour le Bitcoin. Moi j'ai eu du Bitcoin à 3 700 euros. Donc quand je vois 35 000 dollars, je me dis, tout n'est pas perdu. Et il y a un intérêt qui est là. Et l'intérêt, il est émoussé par les régulateurs. Il est émoussé par l'actualité. Mais il reste quand même présent. Donc ce qui s'est passé avec le crash, c'est qu'on a vu aussi deux phénomènes qui n'étaient vraiment pas en faveur des cryptos. C'est d'abord NiceHash qui a bizarrement en fait eu un problème de hacking dès que ça a commencé à arriver, cette histoire. Donc le timing est vraiment pas génial, génial, hein. Donc ils disent que les fonds sont sécurisés, qu'ils ont eu des tentatives d'intrusion et qu'ils ont, par mesure de sécurité, stoppé les retraits. Voilà, mais bon, après chacun se fera son idée. Il y a déjà eu des tentatives. Bizarrement, c'est toujours quand c'est au plus haut qu'il y a ces tentatives-là et que le site devient hors service. Donc, encore une fois, moi je vous dis, NiceHash, pour débuter, c'est pas mal, pour vous faire un peu une idée de ce que c'est les cryptos. Mais bah, il vaut mieux avoir un vrai système propre, avoir son wallet ou aller sur un exchange de confiance plutôt que passer par eux et laisser leurs fonds chez eux. Ce qui s'est passé aussi, c'est que pendant bien sûr cette grosse baisse, en fait, il y a Coinbase qui est devenu injoignable. Donc ils ont pas, ils ont pas, ils nous disent qu'ils n'ont pas la capacité technique quand trop de monde se connecte à leurs applications en même temps pour surveiller, pour essayer de vendre. Donc c'est un peu comme ce qui s'est passé la crise de 1929, tout le monde qui veut vendre en même temps et effectivement c'est de la panic sell. Et ça met les plateformes sous beaucoup de pression. Moi-même, j'ai été simplement vérifier comment allait mon compte sur Kraken et Kraken avait des gros ralentissements. Donc j'arrivais à me connecter, j'arrivais à me déplacer et on pouvait même passer des ordres, mais c'était vraiment, vraiment pas la situation habituelle. Donc c'est normal, mais ça donne malheureusement pas une image très professionnelle des cryptos. Voilà. Alors, dans les autres nouvelles qu'on a eues, on a Nvidia qui est vraiment en train
de mettre en place ces, son dispositif de LHR. Donc c'est pour Light Hash Rate, donc hash rate léger. Donc c'est des bridages comme sur la 3060. Mais ce qui est assez rigolo, entre guillemets, c'est que ça ne concerne pas leur 3090. Elle n'est pas concernée par cette mesure. Et aussi, dans le même temps, vraiment dans le même temps, on a LOLminer qui a, lui, en fait, réussi à trouver une solution. Donc LOLminer, c'est un miner. Et en fait, ils ont réussi. Alors, le Light Hash Rate, pour l'instant, en fait, c'était présent uniquement sur la 3060. Et en fait, ça faisait qu'au lieu de hacher aux environs de 50 mégaoctets/s, elle ne pouvait hacher qu'à la moitié de sa puissance, donc environ de 25. Donc il y avait des moyens de contournement en utilisant des pilotes bêta, mais uniquement sur Windows. Et on n'avait pas vraiment d'autres solutions, ou alors il fallait utiliser des cartes mères spécifiques, parce qu'en fait on ne pouvait pas brancher ces cartes sur des Ryzer x1. Donc c'était vraiment compliqué d'atteindre les 50 mégahash. Là, LOLminer, il nous propose sur toutes les 3060 branchées sous iOS, sous Windows, comme vous voulez, avec des Ryzer, d'atteindre les trois quarts de la performance. Donc les trois quarts, ça représente environ 37 mégahash/s. Donc c'est un joli gain par rapport à ce qu'il y avait avant. Et il se peut aussi, surtout, que ce soit que le début. Donc ils arrivent après à augmenter ce hash rate. Parce qu'encore une fois, pour ceux qui viennent d'arriver, les mineurs évoluent. Et moi, j'ai déjà eu sur certaines versions de Phoenix, c'était non, c'était de Claymore Miner. J'étais resté sur une version et dès que j'ai changé de version, j'ai eu les performances générales de mes cartes graphiques qui se sont améliorées. Et c'était des coûts de 2-3% à chaque fois. Et si LOLminer et les autres miners arrivent à améliorer encore ce système de contournement, il se peut qu'un de ces jours, on ait des cartes qui se rapprochent des 40, voire 45 mégahash/s. Voilà, donc moi, les cartes Light Hash Rate, faites bien attention maintenant qu'il va y en avoir. A priori, ça sera indiqué sur les packagings et les vendeurs devraient l'indiquer aussi. Mais encore une fois, si vous n'y connaissez pas grand-chose, vous risquez de vous retrouver dans cette situation à acheter une carte qui vous permettra pas forcément de miner ce que vous voulez. Mais encore une fois, ce dispositif, il ne cible que l'Ethereum. Donc si vous allez sur d'autres cryptos, normalement, vous devriez avoir le hashrate classique de la carte sans aucune limitation. Donc après, c'est à vous de vous faire une idée. Mais voilà. Je voulais vous parler aussi, donc j'ai été un petit peu dans le Discord, hein, parce qu'on a un Discord de Jean-Jean Abricole qui est très bien. J'essaie d'y aller régulièrement. Et en fait, j'ai vu des échanges et que j'ai trouvé intéressants. Voilà. On est sur le mining. Le mining, c'est vraiment une partie de tout ce qui est crypto, blockchain, etc. Donc c'est dommage en fait d'essayer de se limiter à ça. Et je pense qu'il ne faut pas se limiter à ça. Je pense aussi que si vous voulez vous lancer dans le minage, il faut vraiment que vous ayez une appétence pour les technologies, pour l'optimisation, tout ça. Moi, je m'éclate à faire tout ça, à bidouiller. Et c'est aussi la raison pour laquelle voilà, j'ai voulu partager cette passion. Alors oui, voilà, il y a toujours un aspect financier. Hein. C'est toujours un pari sur l'avenir. Moi, je ne suis pas plus doué que vous pour savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Hein. J'ai pas la boule de cristal. Mais donc, je vous incite encore une fois à la prudence. Il y a des gens qui ont mis énormément d'argent sur des cartes graphiques dernièrement. Essayez de les faire fonctionner. Essayez de les optimiser. Mais il y a des gens qui holdent tout leur compte. Coin, c'est-à-dire qu'en fait ils vont tout garder en portefeuille, ils ne vont rien trader, mais c'est pas forcément une bonne idée. Effectivement, sur le long terme, les holders ont gagné énormément d'argent, mais ils ont eu aussi des moments où vraiment ça n'allait pas. Donc encore une fois, fixez-vous des objectifs, diversifiez votre portefeuille, intéressez-vous à tout ce qui se passe sur la blockchain, sur les projets. J'ai pas la science infuse, je suis pas forcément la personne qui pourra le mieux vous conseiller sur ça. Je fais ce que je peux à mon niveau,
Mais n'oubliez pas, et je vous dis aussi, il y a des gens, beaucoup de gens, et ça revient, c'est un sujet récurrent, qui voudraient avoir un revenu régulier des cryptos ou essayer d'avoir un genre de salaire de crypto, mais c'est absolument pas possible ça en fait. Pour moi, c'est un marché qui est trop cyclique, il y a trop d'inconnus pour réussir à faire ça. Donc si vous êtes dans un pays avec de l'électricité pas chère, peut-être que vous arrivez à le faire sur une période. Mais c'est pas quelque chose à mon avis qu'on peut envisager sur du long terme, et surtout ça sera des revenus très très irréguliers. Donc moi je vous conseille vraiment de garder ça à côté. Encore une fois, c'est super sympa comme activité, comme passe-temps, si vous êtes intéressé bien entendu. Et puis n'hésitez pas à commencer petit avec une carte, avec deux cartes. Vous essayez de faire ce que vous pouvez, vous voyez. Et ce qui est bien aussi, c'est quand on arrive, grâce au produit de ces cartes, en fait, à rajouter une carte supplémentaire. Moi, c'est quelque chose que c'est comme ça que j'ai fonctionné pour vraiment ne pas prendre de risque en capital. Donc, moi, c'est ce que j'ai à vous conseiller. Je sais pas où est-ce qu'on va. En parlant encore de ce qui se passe, j'ai regardé un petit peu. Voilà, la Banque centrale d'Argentine qui met en garde contre les cryptos. Et je trouve ça un peu. Bon, il parle du fait que les cryptos, ça peut favoriser le financement du terrorisme, etc. Mais en fait, la Banque centrale argentine, elle met en garde aussi des cryptos parce qu'en fait, sa monnaie lui échappe complètement. Il y a une volatilité de la monnaie là-bas qui est énorme. Et en fait, les Argentins essaient par tous les moyens de diversifier et essayer de sécuriser un petit peu le peu de capital qu'ils ont. Parce que justement, la monnaie étatique perd vraiment de sa splendeur et ne permet pas en fait d'acheter ce qu'on veut. Donc bah oui, c'est un peu logique en fait. Encore une fois, les banques centrales, elles voient la monnaie comme les monnaies électroniques comme un concurrent à leur propre monnaie, et un concurrent qui les empêche d'appliquer les lois et de maîtriser en fait leur devise. Voilà, d'essayer de maîtriser leur devise, parce que là, on est d'accord, la monnaie a perdu énormément, la monnaie locale. Donc, c'est logique que le régulateur soit toujours en embuscade, et en ce moment, on le paye vraiment très très cher sur les marchés. Voilà. Mais restez curieux, diversifiez-vous, intéressez-vous à plein de choses. Considérez bien le mining comme le trading, comme un hobby. Essayez de prendre un peu de recul par rapport à tout ce qui se passe. Quand vous voyez. Ça se casse la figure, bah, c'est peut-être pas forcément non plus le bon moment pour liquider vos avoirs. Si vous en avez besoin, faites-le bien entendu, mais vous ne devriez pas être dans cette situation. Essayez de maîtriser les risques et ne soyez pas trop. Voilà, il faut pas. L'appât du gain ne doit pas vous pousser toujours à surinvestir, à fixer l'Ethereum à 10 000 euros ou 10 000 dollars comme on peut le voir. Oui, il le sera peut-être un jour, mais là, c'est pas le cas. Et c'est pas cette semaine qui les atteindra. Donc voilà. J'espère encore une fois que vous passez du bon temps à écouter ma chaîne, à miner pour ceux qui minent, à trader pour ceux qui trade. Ma stratégie de trading a sûrement, et mes stop loss ont été pas mal commentés. Donc j'ai forcément, c'est logique en fait. Et encore une fois, je veux pas du tout, c'est pas du tout ma partie. Il y a des gens beaucoup beaucoup plus à l'aise pour vous parler de tout ça. Moi, simplement, ce que j'ai fait, c'est que je réagis par rapport aux avoirs que j'ai aujourd'hui. J'essaie d'en sécuriser un minimum en mettant ces stop loss. Ils sont pas forcément, ils sont pas optimisés en fait, clairement. Mais je me dis aujourd'hui, je peux accepter 10 à 15% de perte. Je veux pas aller au-delà. Donc je mets mon stop loss à 15%. Si l'icône monte, j'en récupère le bénéfice. Mais s'il se casse la figure, ben au moins j'ai sécurisé une partie de mes gains. Je le sécurise en stablecoin. Comme ça, en fait, c'est des coins qui ne perdent pas de valeur, normalement. Et après, je peux me repositionner quand le marché repart à la hausse. Voilà, c'est en gros la stratégie que j'ai. Mais c'est vraiment. Je suis vraiment pas la personne la plus à même de vous parler de ça. Donc je ne vais pas m'y éterniser, c'est pas un sujet que j'aborderai à nouveau normalement. Et ben voilà pour ce matin. Je vous souhaite un bon mining, un bon trading à tous.
Ne vous mettez pas des visières, essayez de regarder l'ensemble, et puis encore une fois, informez-vous et faites-vous votre propre opinion. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt.